Salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de Zelda Majora's Mask. Donc dans le dernier épisode, nous avons fait la quête dans le Joli Café et oui, ça fait 2 mois que je n'ai pas tourné l'épisode de Majora's Mask. Parce qu'en fait, on va dire qu'il y avait l'épisode dans le Joli Café, il y avait uploadé. Et je crois qu'il faisait 4 gigas. Donc du coup c'était chiant. Et mon seul espoir justement de pour uploader cet épisode c'était la 4G de mon téléphone. Voilà. Rien que demander plus et là j'aperçois que ma webcam est un peu mal mise. Voilà. C'est pas la webcam qui est mal mise, c'est le jeu. Voilà. Alors j'en ai profité pour faire un petit peu le plein d'objets. Voilà. Parce que je crois qu'on en aura un peu besoin. Alors attendez, qu'est-ce que je peux faire là déjà? Que faut-il faire ici déjà? Je ne sais plus ce qu'il va faire déjà. Ouais, qu'est-ce ici? C'est la fontaine des fées. Je vous préviens que là, cet épisode, il risque d'être... Enfin, non, pas cet épisode. Le dernier donjon du jeu. Alors, attendez. Je regarde un petit peu la solution. Hop, Zelda. Majora's Mask. Allez! Vali Kana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Le royaume d'Ikana. Ah dégage le corbeau. C'est quoi? Oh c'est un corbeck. Tu ne le connais pas celui-là? Attaque-le avant qu'il te tombe dessus. Alors attendez. Alors, la Kagulgaro, je l'ai, je crois. Attendez, je regarde si je l'ai. Ouais, c'est bon, je l'ai. Hein. Avec la volonté, prenez à gauche vers le cimetière. Allez tout en bout en faisant attention à Stalfos. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ah ah! Attendez. Revenez maintenant dans le cimetière la première nuit et montrez au Stalfos qui est désormais le boss. Parlez à ceux qui tournent autour d'une pierre tombale et demandez-leur de l'ouvrir. Attendez, est-ce que j'ai le chant des tempêtes? Bah oui, voilà, j'ai le chant des tempêtes. Donc du coup, en fait, ça veut dire que je peux aller. Voilà. Attendez. Peut-être es-tu venu pour gonfler l'élan des défunts. Si c'est ta volonté, alors la mélodie de Thiès, le grand compositeur, te plongera dans le sommeil froid et glacé. Tu vas nous rejoindre. Qu'est-ce que cette chanson? Non, non, ce n'est pas possible, cette chanson. Eh, c'est bientôt les vacances d'été, hein. Quand même.
Ouais, c'est bientôt les vacances d'été, alors qu'est-ce que vous allez faire cet été? Ouais, c'est bientôt. Voilà! Ok. C'est bon, il n'y a plus rien. Voilà. Bémol, mon cher frère. Pourras-tu pardonner à ton frère devenu fou qui voulait faire le levier de la gloire éteinte de la famille royale d'Icana? Toi, oui, toi, qui n'as pas peur des morts. Grâce à la chanson de mon frère, tu as levé la malédiction qui était passée sur moi. Je t'en remercie ici. Cet endroit n'est pas pour nous. Nous, les morts, nous devons partir. Tout ça, c'est un tour que ce calmement masqué nous a joué. Si tu ne crains vraiment pas les morts, tu dois aller dans le temple de ce royaume pour trancher le lien maléfique qui nous unit au monde des vivants. Pour faire cela, moi, le seul qui connaisse le chemin du temple, je vais te conduire aux lois d'Ikana. Le loi se trouve dans les ruines du château d'Ikana. Il attend celui qui pourra lever la malédiction. Je fais ma dernière requête. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir aller voir là. Oh, le petit moulin là. Celui qui faisait la musique là. Voilà, celui-là. Celui qui est juste devant. Voilà, il fait de la musique, c'est marrant. Oh. Ah! T'en fais pas, ma petite Louis revenue. Alors, alors, est-ce qu'elle est sortie? Attendez. Il n'y avait pas une technique avec les bombes, je sais pas quoi. Bon, on va la poser là, puisque tu dis qu'il ne fait pas grimper. C'est pas moi! Oh purée. Allez! C'est rien. Non! Va pas par là. La musique. Allez, c'est beau tout ça, hein? Ah purée.
Hop. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette armoire? Oh mon dieu! Attendez. Attendez. Voilà. Papa. Papa. Pamela. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Rien, papa, il ne s'est rien passé. J'avais un mauvais rêve, c'est juste un mauvais rêve. Pamela. Et moi pour l'instant, bah, j'ai le nouveau masque. Voilà, j'ai obtenu le masque de la momie. Ce masque était avant le visage dites du père de Pamela. La vache. Ce masque est si réaliste et si effrayant qu'il pourrait tromper même une momie. Purée, mais la pauvre petite, quoi. Regardez-moi comme c'est beau. Bon, attendez, on va quand même se diriger vers le château d'Icana avant de se quitter là. Parce que là, j'ai fait des 10 minutes d'épisode. Épisode. Bon, oui. Je crois que le château d'Icana est par là. Taya, je ne peux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel du sang, une présence étrange. Je crois que tu as un masque qui permet d'appeler ceux qui se cachent dans les ombres. Et... porte du château d'Icana, ces portes sont scellées. Quoi? Que vous fassiez, elles ne s'ouvriront jamais. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non mais montage c'est pas le truc qu'il faut aussi. Il faut aller où? Non mais il doit y avoir un moyen de... Allez. Non. Mais il doit y avoir un truc à côté. Je sais pas moi. Il y a un truc ici. Ouais, il y a un truc là, mais je sais pas où faut aller. Ah ah. Point du château d'Icana, c'est pas sensible, quoi, que vous fassiez, ne se verront jamais. Non mais je vais la trouver. Trop. Bon. C'est
seulement il y avait un truc ici, quoi. Il doit y avoir un moyen d'y aller. Peut-être en allant par ici. De toute façon, j'ai dit qu'on se dirigerait vers le château d'Ikana. C'est ce qu'on va faire. C'est peut-être ici le château d'Ikana. Je pense. Non, ici c'est la forteresse de pierre. Mec. Allez. Je peux même pas détruire les portes. Non, mais il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen de passer. Allez, on va faire la quête Bulgaro. Et après je pense qu'on se quittera là. Bon, on sait où tu te sentais, Taya. Voilà. Maître, ordonne et j'obéirai. Ouais, tu peux pas... Mince. Ah ouais. Mais alors, on dirait que c'est ça un garou, qu'on se retrouve pas pour éviter ses coups d'épée. Ok, il va attaquer. Bah, je me suis pris le feu, quoi. Voilà qui est regrettable, tu as dit un adversaire vaillant. Je tire ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur, la sagesse s'échappe de mes lèvres. Le puits au sommet de la colline et le puits au cœur intérieur du château d'Ikana communiquent. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voix des garous. Ok. Le puits. Il y a un puits. Alors le puits, je crois qu'il est là. Il est quelque part par là. Bon, toi tu dégages, c'est mieux. Voilà. Voilà. Ah. Puis vide, entre interdite en raison d'apparition de fantômes. Et ben on va se quitter là les gens. Alors je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, à mon compte Twitter également, à ma chaîne secondaire également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde!